avant de te laisser avec la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire pour soutenir cette chaîne. Merci beaucoup, beaucoup à toi et bon visionnage. Les amis, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. En tout cas, moi, elle va énormément me plaire parce que je vais déguster des trucs que j'adore. Alors déjà, nous avons un délicieux. Un délicieux verre de jus de pomme. C'est un peu mon petit déjeuner, mais c'est aussi mon quota de sucre de la journée, ce que je vais faire là dans cette vidéo. Comme vous le savez, je fais un jeûne intermittent. Et là, on a vraiment mon quota de sucre. Et à part ça, je vais manger un poulet à la crème, que je vais aussi vous faire en vidéo. Que je dois aller préparer d'ailleurs là. Et qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, les gars? On va manger ça. Pardon. J'ai acheté ça l'autre jour et j'adore ces biscuits, j'adore ces biscuits. Avant toute chose, on prend la miniature. Les ingrédients avant de manger le deuxième. On va lire les ingrédients.
ingrédients. Alors déjà, par biscuit, nous avons 100 kilocalories. Je vous avoue que je m'attendais à plus par biscuit. 100 kilocalories. Je trouve ça, pour un biscuit comme ça, ouais, non, c'est ça. En vrai, non, c'est ça. Pour 100 grammes, nous avons 511 kilocalories pour 100 grammes, donc c'est très calorique. Alors, je ne sais pas si y a les ingrédients en français. Gros, c'est du chocolat, du sucre, évidemment, et plein de produits dont je n'arrive même pas à citer les noms. Vanille, extrait de vanille, palme, pitoli, aroma. Je sais pas ce que c'est, biscuit nappé de chocolat. Ah là, je l'ai en français. Alors, ingrédients farine, farine de blé, farine. Lait entier en poudre, sirop de glucose, fructose, matière grasse au lait, perméat de lacto, sérum, poudre à lever, carbonate de sodium, amidon, sel, cacao maigre, émulsifiant, sirop de glucose, matière grasse de karité, stabilisant, colorant. Waouh, le nombre de colorants, putain. Ça, c'est les M&M's, je pense. Dextrine, agent enrobage, extrait de vanille, huile de palmiste, il y a écrit huile de palmiste, et arôme, et peut contenir cacahuètes. Bon, clairement, les gars, c'est à consommer avec modération. La liste d'ingrédients est super longue, c'est très calorique. Voilà. Disons que, exceptionnellement, ça passe. Mais c'est vraiment à consommer avec modération. C'est vrai que c'est très bon. Alors, pour terminer cette vidéo, on va blablater un petit peu. Alors déjà, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Sur TikTok, je vous fais des petits dessins, des petites réactions, des trucs comme ça. Alors c'est autour du dessin. Parce que pour ceux qui savent pas, moi je suis à la base, je suis un youtubeur dessin. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, ça c'est des trucs que je vous ai fait en live sur ma chaîne principale. Mais c'est pour faire un TikTok. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, bah, ce soir je refais un live sur ma chaîne principale aussi. Donc voilà, ça va être cool. Et puis voilà, je vous fais des TikTok. En ce moment, j'ai assez simplifié le contenu que je produis. En gros, je fais mes vidéos sur chat ASMR. C'est des vidéos qui me prennent pas trop de temps, mais c'est vraiment le type de vidéo que moi j'apprécie regarder. Voilà, donc c'est ce que je fais prochain ASMR, je fais une vidéo par jour, j'essaye vraiment de vous maintenir ça. À côté de ça, évidemment, mon activité principale, c'est les vidéos sur chat dessin. Voilà, les vidéos sur chat dessin, les grosses vidéos. Et à côté de ça, je fais des shorts, donc des vidéos courtes en format vertical, que je vais publier sur Facebook.
sur des fois Instagram en réel et sur YouTube et sur TikTok. Donc mes shorts, je les publie sur quatre plateformes différentes: Facebook, TikTok, Instagram, pardon, et YouTube. Voilà. Et en plus de tout ça, ça m'arrive de faire des tutos ou des vidéos pour ma chaîne Chat Dessin Bonus, qui a bientôt 100 000 abonnés d'ailleurs. Et pour cette chaîne-là, et bah voilà, des fois je fais des petits tutos en plus quand il y a besoin, quoi. Voilà, c'est ça tout le contenu que je produis, on va dire, sur Internet. Vous imaginez?